Bonjour, bonjour. Je viens de faire mes petites payes. Hop, j'ai pas récupéré mon salaire. J'ai carrément pas récupéré mon salaire. De toute façon, il n'y a rien pour moi ce mois-ci. Hop, 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 hop. Voilà. Pas de sous pour Elise aujourd'hui cette semaine. Maintenant, il faut que je trouve le numéro du Rockford et on va aller au Rockford en fait. Je sais plus si je l'ai gardé en fait. Je sais pas si je l'ai enregistré le numéro du Rockford. Merde. Ça c'est le policier. Ça c'est Benjamin Sorel. Ça c'est Mike. Gaspard, Aka. Ça c'est Teddy. Ça, c'est les Lost. Ça, c'est du CV. Coucou Denis, je suis en train de galérer là. Je suis censée, on est censé rouvrir le Rockford, mais je retrouve pas. Je suis même pas sûre qu'il m'ait contacté. Le nouveau. Merde. Ah, oh, c'est l'heure de dab-dab, mais j'ai pas du tout préparé ma caméra en fait. Vous êtes pénible à mettre à faire du dab-dab quand je mets pas ma caméra. Vous voulez que je fasse comment? Je sais pas si Ellie va un peu dabber. Genre. Dab. Si, il faut faire. Attends, est-ce que ça marche si je fais ça? Je fais ça. Ah, dommage. Comment je préfère pour dab? Dab. Dab. Dab, 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 dab. Je mettrai ma caméra plus tard, mais là je suis vraiment pas prête à mettre ma caméra ce soir là. Faut que j'aille me préparer un minimum, j'ai lancé le live en deux spi. Ça va sinon? Mon petit Denis? Désolée pour le dab dab. Quand j'ai pas la caméra, c'est un peu la galère. Je vais lui envoyer un mail. Écoute, ça va, je suis très fatiguée, mais ça va. Ça va bien. Ça va bien. On va juste attendre d'avoir des news pour savoir si on va au Rickford, au Rockford. Ce soir, on fera aussi un petit peu de... Mais de la musique. Oh, c'est le jeu. On fera un petit moment de du retour d'Ashley. Ashley va revenir un peu ce soir. Vers 21h pour une photo. Alors, on va se mettre un petit régulateur de vitesse et on va au Rockford. Je vais essayer d'y aller 100 mètres de GPS, attention. Là, peut-être ce soir je vous montre mon cosplay d'Élise. Peut-être ce soir je fais mon cosplay d'Élise en live. T'es tout seul, Denis, t'es le seul qui le sait, ça. Je t'annonce à ça à toi. Je t'annonce ça à ça. Ah là 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 là. Je t'annonce ça à toi tout seul. Le Rockford, je me demande s'il faut pas passer par là, je crois.
Yeah. Je suis pas sûre, hein. Ça dépend de mon état de fatigue et surtout de ma motivation à tester tout ça. Surtout que ça risque d'être très cringe, hein. Je précise que ça risque d'être vraiment cringe. Et ben, je crois que j'ai réussi à aller au Rockford sans utiliser mon GPS. Si, si, je te jure que ça va être cringe. Hein. Parce que déjà, je ressemble pas du tout à Elise et que c'est pas non plus un cosplay de très grande qualité. Hein. C'est juste, j'ai acheté une robe. Hein. Et la robe, elle y ressemble pas trop. En vrai, j'ai galéré à trouver une robe qui ressemble à peu près à celle d'Elise, mais pas vraiment trouvée. Ah oui, c'est vrai que je suis pas du tout, j'ai pas du tout le bon métier. Par contre, c'est moi ou ils ont mis un... Ils ont totalement mis un garage ici, c'est trop bien. Faut que je l'achète peut-être. Vas-y, j'achète ça. Hop là, comme ça j'ai mon garage. Voilà, ma prime de la semaine est passée dans le... Ah non, c'était... J'ai gagné 200 000 cette semaine. Est-ce que ce sera aussi bien fait que le cosplay de Gigi? Ce sera 1000 fois moins bien que le cosplay de Gigi, je précise. Car le cosplay de Gigi était parfait. Ce sera 1000 fois moins bien. Gigi est parfaite, ok? Son cosplay était parfait. Ça ne pourra pas être mieux. Jamais. J'adore cette ambiance. J'aime vraiment beaucoup l'ambiance de cette salle. Par contre, comment ça se fait qu'ils pouvaient poser des choses? Comment on fait pour poser des choses en tant que... C'est un grade spécial. Ah, objet. Mais non. La batterie marche pas. Dommage. Le micro. Oh ouais. L'enceinte. Oh ouais. La platine de DJ. Oh yeah! Ça c'est beau en vrai. Ça c'est vraiment bon. On dirait pas comme ça, on dirait que je chante un peu. Ah, faut que je me recule. Genre si je bouge un peu, on dirait que je chante un peu, non? Bref. Est-ce que j'ai bien changé le nom de mon... Putain, à tous les coups, j'ai pas changé le nom. Ah si, j'ai changé le nom. Porte. Ok. Bon, bah maintenant on va attendre monsieur le directeur. Oh oui. Je vais juste voir s'il m'a répondu. Non. Non, non, non. Bon. Je vais peut-être essayer de mettre ma cam. Mais je reviens du coup, parce qu'il faut que j'aille faire un truc avant de mettre ma cam.
Je reviens du coup. Oui, allô? Ouais, boss, ouais. Ouais, c'est Mike. Oui, ça va? Ouais, ça va, ça va. Dis-moi, pour la paye, ça se passe comment? Parce qu'on en avait pas trop parlé, là. Ouais, du coup, la paye, en fait, ça se fait pendant que... ça se fait... moi, c'est fait, là. Je les ai envoyés. Bon, du coup, il n'y a que la paye de dimanche pour vous. Donc, il n'y a pas eu grand-chose. Ok. Mais c'est tout envoyé. Et en fait, ça sera tous les lundis à 18h. Vous n'avez pas besoin d'être là. Et voilà. Ah, c'est automatique? Enfin, c'est moi qui le fais. Mais vous n'avez pas besoin d'être là pour la récupérer. En fait, je vous envoie un bonus. Ah, ok, Je passe par la parfait. caisse et puis ça vous l'envoie sur votre compte bancaire. Tout simplement. Parfait, parfait. Nickel. Comme ça, on Je vous n'a pas besoin remercie, de boss. s'embêter. Bah de rien, c'est normal. Et puis appelle-moi Elise, hein. Pardon? Appelle-moi Elise, hein, pas boss, hein. Ah, ok, pas de soucis, Tranquille. boss. Ça marche, allez. Bon, ben, pas de soucis à toutes. Bon courage, salut. Du coup, je disais, je reviens parce que j'ai pas eu le temps de partir au final.
Re. Alors, on va essayer de mettre cette caméra. Un endroit où elle ne gênera pas trop. Mais de toute façon, elle gêne de partout où je la mets. Il faut vraiment que j'organise ce bureau. Parce que le problème, c'est que si je la mets là, j'ai plus du tout. J'ai très peu de GPS. Ça, c'est chiant. Bon, on va essayer de mettre cette caméra. Je me sens pas trop mal à l'aise. Je pense qu'on est bien là. Ouais, du coup, on va attendre le patron à Rockford. Bon, bah maintenant, il reste plus qu'à attendre parce que j'ai pas grand-chose d'autre à faire. Je crois pas que j'ai reçu de message. Non. Mettre un peu de musique en fond. GG Abo pour le niveau 26. J'aime pas quand j'ai rien à faire comme ça me... J'aime vraiment pas ça quand j'ai rien à faire. Surtout quand je suis en live. Ok. Il est incroyable. Oh, merci beaucoup, gros quick 29 pour le follow. Merci. Bon, je suis désolée, il se passe pas grand-chose parce qu'on attend le patron Rockford et je sais pas trop quoi faire en attendant. À part vous présenter le magnifique Rockford. On va faire ça. Je vais vous présenter le Rockford. Alors. Le Rockford Record, il est magnifique, il est sublime. Donc, il est situé par ici, là. Il est vraiment cool, il est vraiment grand, il est vraiment beau. Mon copain qui vient de partir. Bonsoir tout le monde et de rien. Tu viens de GTA? Tu viens de Omega Ville ou genre on se connaît in-game? Bon alors, le Rockford. Ici, il y a la super salle de réception magnifique. Voilà. Avec une petite salle d'attente là. Petite salle ici. Ici, la salle de concert. Coucou, voilà cam. Oui, je me suis motivée à la mettre ce soir. Et plus tard, je ferai peut-être le cosplay de Madame là, Madame Elise. Mais sinon, coucou, tu vas bien? Oui, allô? Oui, bonjour. Je voulais savoir si vous étiez dispo ou pas. Vous êtes, excusez-moi. C'est Ethan au téléphone. On devait se voir hier et puis vous avez dû partir Ah rapidement. oui, pour le mécano? C'est ça, c'est ça. Oui.
Oui, alors moi là j'ai un rendez-vous urgent au Rockford Records. Ensuite, vers 20h30, il faut que je parte. Il faut que je sais pas du tout pour ce soir. Toi, tu vas pas de souci. Je suis vraiment désolée là. Ce soir j'avais. Oui, je suis vraiment désolée. Pas de souci, pas de souci. Bah, Faut écoutez, vous me que. rappelez. Ouais, il faut que je vais enregistrer votre numéro correctement et puis je vous rappellerai si j'ai un petit moment dans la soirée ou alors demain. Je pense que ça devrait le faire demain. Ok. Oh, ok, parce que moi, juste ce soir, de 20h30 à 22h30, je travaille à l'Unicorn, enfin, pour l'Unicorn, donc. D'accord, ok, bah on verra peut-être à 22h30, j'essaierai de. Je sais pas si je serai encore là, mais je vais faire mon mieux. Ok, pas de souci, je vous remercie. Et bah, très bonne soirée. Et De bon même, courage. au revoir. T'es trop belle, mais. Tu vois ça? Non, très clairement pas. Mais non, bref, super. Eh ben c'est parfait. On m'a proposé de rejoindre le serveur, alors je me renseigne sur le serveur. Eh ben écoute, le serveur il est comme ça. Je crois que je peux faire le OK. C'est pas, c'est OK, je crois qu'on fait. Ouais, le serveur il est comme ça. Et il est même ouf, comme ça. Il est vraiment bien pour un free access, hein, vraiment. Oh bah putain. Ou même ce soir. Lucie. Eh ben, ça tombe bah c'est un grand plaisir. Il faut que je te voie d'ailleurs, toi. bah ben justement, je voulais te demander ce qu'on se voit tu voulais voir pourquoi? J'ai une facture à te faire? Enfin, tu as une facture à me faire? Mais oui, c'est exactement ça. Eh Je venais d'y penser, c'est pour ça ben, tu fais quoi, toi, ce soir? bah ben là, je suis chez moi. Tu veux que je fasse quelque part pour te la faire? Écoute, moi là, tout de suite, en fait, je vais avoir plein de trucs à faire ce soir, mais si au bout d'un moment tu fais rien et que tu passes dans le coin, je suis au Rockford Records. Comme ça, on peut faire pif paf pouf. Bah, j'arrive au Rockford Records si tu veux. Eh ben, c'est comme tu le souhaites du coup. Ouais, je suis Ah désolée bah de te allez, demander let's de go. te déplacer, Non, mais. y a pas de souci. Ok, eh ben écoute, Ça on prend revoit tout de 30 suite. secondes. Ok. Allez, à de suite, bisous. Bisous! Qu'est-ce que je l'aime, Lucie? Pardon, mais moi je te trouve trop belle. Non, 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 très clairement pas, il y a trop de. Bref. Mais j'aime bien, je mets la cam parce que du coup les gens ils voient mes réactions et des fois c'est drôle. Mais c'est gentil, hein, mais j'ai beaucoup de mal avec les compliments. Insupportable. Bref. Le RP. Le RP dépression. On va éviter de jouer à la dépression ce soir. Hein. On va surtout jouer le travail. Parce que Elise qui déprime toutes les 5 minutes, ça casse les couilles. Non, tant pis. Et on va jouer la tristesse quand même. Hop, 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 hop là. Parfait. Je vais interdire les compliments dans les règles de chaîne, j'ai compris. Ce sera Bandef. C'est Bandef pour les compliments. Je vous enlève des points de chaîne et. C'est pas très RP ce que je fais là de monter sur les tables. Tu vas ban Denis. Mais non, mais je peux pas ban Denis, c'est ça le problème. Du coup, je suis obligée de mettre une règle et mettre des exceptions pour les gens que j'aime très fort. Et du coup, bah déjà là, il y a deux personnes qui m'ont fait des compliments que je pourrais pas ban. Donc ça casse un peu. Je peux pas mettre de règles en fait, parce que je devrais faire des exceptions pour tout le monde. C'est pas drôle. D'ailleurs, Denis, faut que j'aille voir ta tombe. J'ai tellement pas envie de faire cette scène. Mais c'est dérangeant quand t'es une fille sur Twitch, on permet plus facilement de complémenter le physique, c'est pour ça. Ah, de commenter le physique. Bon, t'inquiète, je me débrouille toute seule pour le commenter, hein.
Mais pas pour ça. En vrai, personne ne me fait de remarques négatives, mais j'ai beaucoup de mal. Vraiment, hein, mon physique, c'est un truc très compliqué. Oh putain, je suis en train d'apprendre des dingueries là. Je coupe la caméra, j'apprends des nouvelles pas top. Excusez-moi, j'ai pas une mauvaise nouvelle grave, mais... Ah tiens, merde, ça fait... Salut, comment tu vas? Salut, vas-y, 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 vas-y. Je suis De toute désolée, ça a façon, tu été peux... compliqué cette semaine. Ah non, mais moi, en fait, j'avais complètement zappé. En fait, j'étais en train de faire un peu de compta. Et je suis là... J'ai perçu ma facture, pourtant j'ai travaillé. De toute façon, comme Félix n'est pas là, bah... Voilà, quoi. Ouais, oui, mais Pas de j'espère que PDG, donc... t'es quand même payé un petit peu. Bah, j'ai mon salaire toutes les 10 minutes. C'est tout? Oui, bon, c'est pas grave, tu sais, je travaillais au Consas. Bah, c'est juste que ça Ah m'embête, oui. parce que je suis un peu... Bah, il n'y a pas de PDG, quoi. Ouais, Et c'est... j'ai pas... Bah, Mes reprends la collègues boîte. sont... Hein? Reprends la boîte. Mais Félix, il m'avait dit qu'il reviendrait, sauf que là, il répond plus à mes messages quand je lui demande quand est-ce qu'il revient, donc... Ah oui. Donc, ouais, voilà. Donc, je sais pas, écoute, je vais essayer d'insister un petit peu si jamais ça veut pas. Mais tu veux la reprendre là-bas, toi? Bah franchement, de toute façon, le gouvernement, il est obligé de rendre au bout d'un moment les clés si le patron se présente pas. Hein. Tu peux. Moi, mon PDG de PDG du Mécano, le PDG du Mécano avait dit qu'il reviendrait, il est parvenu, ils m'ont donné les clés. Hein. plus. Ouais. Ouais. Franchement, C'est vrai que je lance-toi. pourrais. Hein. Allez, 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 c'est parti. Tu sais quoi? Tu rédiges un petit dossier ce soir. Let's go. Allez, let's go. Let's go. Tu n'as rien à faire ce soir, tu rédiges un dossier. Moi, je viendrai, je te ferai des bisous. En plus, on va avoir besoin de monde là au Rockford Record. On veut essayer de monter une radio, donc tu vois, il faudrait des journalistes et tout. Tout le monde me disait et tout que ça serait sympa de faire un truc avec le Weasel et tout. Moi, je suis grave chaud. Ouais. Ça pourrait être trop bien. Hein. Oh, En de plus, ouf. moi. Attends, parce qu'il y a le Weasel, il y a le Rockford. Et j'avais quelqu'un qui m'avait contacté il y a longtemps pour me dire qu'il était en train de monter sa boîte de montage vidéo, clip. Mais non, incroyable! Voilà, qu'est-ce que ça tombe bien! Ce serait trop bien s'il le faisait vraiment. Là, Mais de ouf! on serait un trio de choc. Mais oh là là! Ce serait incroyable. Ça me donne trop 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 envie là! J'ai envie d'être PDG, Aussi. je veux faire comme Michel! Michel, mon copain, bah, il est PDG, donc moi aussi je veux être PDG! Eh ben. Tu rentres chez toi ou tu te poses là sur le canapé, je sais pas, tu fais ton dossier et hop, la PDG Allez! Weasel. Ah Let's oui, go. pendant que lui il Hop, fait hop, la de hop. comptabilité de la série, moi je veux faire ça! C'est ça. Allez, hop, 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 hop. Allez! Ça me ferait trop plaisir. Mais bon, moi aussi, je suis bien investi et tout, ça me chauffe. Bon, Bon, bah voilà. écoute, c'est des bonnes nouvelles. Allez! Ouais! Je vais faire les autres factures que j'ai oublié de faire! Et bah, bonne facture et bon dossier. Bisous! En vrai, ça va. C'est pas une nouvelle grave. Je viens d'apprendre que Kama risquait des choses graves in-game et ça me casse les couilles un peu IRL.
C'est rien de grave, hein. C'est juste que bah Camar, ça fait très longtemps que qu'on joue ensemble et c'est le copain d'Elise in game, donc ça fait forcément bizarre. On a des scènes à finir et le truc c'est que là, vu l'état psychologique dans lequel est Elise, si elle peut pas revoir Camar avant la fédé, c'est la grosse merde. Hein. J'ai presque plus envie de jouer là. Ça m'a mis un gros coup de dans le bide. Ça m'a vraiment rendu pas bien là. Excusez-moi, je suis en train de l'écrire du coup, parce que je vous jure que ça me fout un putain de coup au moral. Mais alors, vraiment. Il va finir en fédé pour Denis. Bah, je sais pas si c'est pour Denis qu'il va finir en fédé. Mais apparemment, ouais, mais il me dit que. Mais il n'y a pas de preuve en fait, c'est ça qui me casse les couilles. C'est avec beaucoup, j'étais RP. Bah, en fait, c'est qu'on est très proches. Et... Enfin, je veux dire, nos persos, ils ont 6 mois. Hein. Regarde, attends. Je sais pas si tu vas le voir. J'ai fait que du Elise sur ce jeu. J'ai 1070 heures avec Elise, je sais pas si tu le vois là. Non, je crois que vous le voyez pas. J'ai 1070 heures avec Elise, ça fait 6 mois que je joue avec elle, presque 8 heures par jour. C'est presque un deuxième travail à plein temps, Elise. Forcément, j'y suis super attachée. Camar, on est très proche IRL, donc... Donc oui, ça me touche, hein, forcément. Ouais, c'est quand tu t'investis autant dans un truc, dans un personnage, c'est ultra touchant. Hein. C'est ouais, vous voyez pas. Après, je m'y connais pas trop en GTRP, donc c'est peut-être pour ça. Je sais pas. C'est ton premier perso? Ouais, Elise, c'est mon tout premier perso. C'est mon tout premier perso RP sur un jeu. Mis à part un peu de RP Minecraft, Danganronpa, quand j'étais plus jeune. C'est le tout premier perso RP que je fais sur un jeu. C'est le tout premier perso. Ouais, Elise, c'est mon tout premier perso RP en jeu. Bon, j'ai fait du RP papier. C'est pas pareil. J'ai fait du RP SMS. C'est pas pareil du tout. Donc, c'est vraiment mon tout premier perso. Je me rends pas compte, mais oublie pas que le but pour jouer, c'est quand même de s'amuser. Oui, mais en fait. Je suis d'accord, mais le truc c'est que c'est quand même ça t'affecte parce que tu vois là le jour où j'ai des potes qui meurent in-game, les gens dans la vraie vie ils meurent pas. Je peux leur parler en MP, tu vois, mais ça fait quelque chose dans le sens où c'est quand même une personne avec qui tu passeras plus de temps, la personne qui jouait, tu vois. Si Camari part, bien sûr Camari va faire un nouveau personnage. Enfin, Logan, enfin la personne qui. Bien sûr qu'il va faire un nouveau personnage.
bah, ce sera plus Camar. Et Élise sans Camar, bah, c'est plus rien. Élise sans Camar, c'est fin d'Élise. Surtout si c'est pour une fédé. Et moi, sans Élise, ça va être dur quand même. Parce que je m'y suis énormément attachée. Tu vois, c'est très intense comme jeu, le HDRP, je trouve. Je vais remettre la cam. Quand même. Hop, comme ça, vous me verrez. Je suis désolée, du coup, en attendant qu'il arrive, le PDG, je parle un peu à cœur. Parce que ça me rend vraiment pas ouf. C'est quoi une fédé? C'est la prison fédérale et lui du coup il risque la prison fédérale à vie en fait. Donc c'est une fin de son perso, c'est comme une mort. Sauf que son personnage n'est pas mort mais c'est prison à vie en fait. Donc tu peux pas... C'est la fin de ton perso. Sauf que bah, c'est pas une peine de mort. Le perso depuis que Gigi est parti, je sais pas si je continue sur Omega, je comprends à 100%. Après tu jouais avec Gigi là un peu? Avec ton nouveau perso. Pour faire beaucoup de RP en ligne sur différents formats, le premier perso qui dure, c'est toujours plus compliqué. Mon tout premier perso, c'est du RP écrit. Quand je l'ai delete, j'avais des larmes aux yeux. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que très clairement, j'aurais dû. Je vais essayer de trouver mes mots là, c'est un peu compliqué. En fait, très clairement, j'aurais dû faire un peu un personnage poubelle au début. C'est ce que j'avais commencé à faire. Élise, au début, c'était un putain de personnage poubelle. Genre, j'ai créé. En fait, bah, j'ai découvert GTA RP avec le RPZ, forcément, comme beaucoup de gens. Et j'ai fait vraiment un personnage poubelle. J'avais un micro de merde. Je voulais juste tester, voir ce que ça faisait. La première semaine, je trouvais personne en jeu. J'avais rien. Puis finalement, j'étais embauchée au mécano et tout s'est un peu engrainé. Et finalement, ça fait 6 mois que je tiens à Élise. Et le problème, c'est que plus le temps passe, moins je vais réussir à m'en séparer, en fait. Parce que bah, Élise, c'est une part de moi maintenant. C'est bête. C'est horrible parce que c'est un jeu et c'est tellement compliqué à exprimer quand on joue pas et qu'on connaît pas. Mais Élise, j'aurais clairement pas dû la garder aussi longtemps. Ça va être infect de s'en séparer, ça va être trop dur. C'est mon tout premier personnage. C'est c'est chaud. Maintenant, reroll ne me pose plus de problème. Bah, c'est ça en fait. Je pense que quand j'aurai réussi à reroll Élise, je pense que j'arriverai à reroll d'autres personnages parce que je pense pas que tu puisses t'attacher autant qu'à ton premier perso. J'ai du mal à. Enfin, à ton premier perso qui dure longtemps. J'ai du mal à comprendre que tu puisses t'attacher énormément comme ça. D'accord, faites attention à vous, ça m'affecte que ça vous affecte. Bah, ça m'affecte, oui, forcément, mais je vais pas non plus me mettre dans le mal. Au pire, je ferai une petite déprime d'une semaine ou deux. Enfin, tu vois, le temps de tu vois, c'est quand même 6 mois à mettre de côté, hein. Ah, j'entends du bruit, non? C'est quand même 6 mois à mettre de côté, donc forcément, c'est pas simple, hein. Et puis j'ai pris l'habitude de ne pas m'attacher au perso qui m'entourait, mais moi avec Ellie je me suis attachée à tout le monde. Et c'est pour ça que je joue si bien la déprime, c'est parce que des fois ça me déprime vraiment de voir que j'ai vraiment des potes qui partent. C'est pas simple, hein. Je vais passer son PPA, mais je pourrais plus du tout, quoi. Oui, tu pourras plus l'avoir, quoi. Moi aussi ça m'a fait bizarre, hein, le départ de Gigi, parce que la scène, elle était pas incroyable du départ de Gigi, parce que Ellie avait tellement de trucs en tête. En fait, Ellie venait d'apprendre, je sais pas, la... Entre les morts et les départs, peut-être une dizaine de personnes en 24 heures auxquelles elle tenait très fort. Parce que du coup, à son réveil de coma, elle a tout réappris, etc., etc. Et du coup, pour le départ de Gigi, la scène n'était pas ouf parce que du coup, Élise, elle avait juste plus aucun sentiment. Et elle était triste, mais c'est la vie. Et là, c'est ce matin quand je suis allée en HRP et que j'ai vu qu'elle était plus sur le serve que ça pique quoi. Ça pique. Est-ce qu'Élise pourrait pas se servir d'un se passé difficile avec Camar pour évoluer d'une autre manière? En vrai, Élise, elle a supporté tellement de trucs qu'elle pourrait peut-être s'en sortir du départ de Camar et elle pourrait évoluer. Mais je sais pas si j'en ai moi envie en HRP. Dans le sens où Élise est vraiment une personne assez.
C'est une gamine, quoi. C'est une enfant. Pas une gamine dans le sens où elle est immature, mais c'est une gosse. Et elle est très dépressive. Elle a vécu. Enfin, elle n'est pas forcément dépressive, mais elle a vécu beaucoup de choses très dures en très peu de temps. Dès qu'elle a une merde, ça s'enchaîne et c'est beaucoup de morts, de décès, de gens qu'elle apprend qui se sont fait torturer et tout. Et en fait, je pense pas qu'elle puisse survivre à tout ça. Camar, en fait, c'est la dernière chose qui la raccroche un peu à la ville et à la vie en général. Et pour l'instant, actuellement, je la vois pas survivre si elle apprend que Camar part. C'est un peu son point d'accroche à la vie, en fait, Camar. Je confirme mon premier perso, je l'avais gardé plus de 3 ans. Oh putain, c'est un perso connu sur le jeu. J'étais surtout un perso qui m'a permis de faire tellement de trucs, que ce soit du légal ou illégal. Ouais, voilà, bah. Bon, moi, ça n'avait pas 3 ans. Franchement, un personnage qui dure 3 ans, moi, jamais je m'en sépare. Hein. C'est impossible, C'est jamais je m'en sépare. incroyable. Et puis, je sais pas pourquoi elle est partie, ça aurait pu être évité, ça m'énerve. Ah oui, je sais pourquoi, moi aussi. Oui, oui. J'ai pas lu ton message, mais oui, je sais à peu près. Je pense que je sais pas tout, mais j'en sais pas mal. Bienvenue, sauce sur le front. Merci pour le follow. C'est quoi ce pseudo? Il est génial. Ouais, d'accord, je vois. Bah ouais, voilà. Enfin, je sais pas que dire de plus. Et là, Camar vient de me dire que c'était le juge ce soir. Il y a encore Gaspard, ouais, Gaspard, avec Gaspard, ouais, on partira pas. Enfin, il va nous en falloir pour qu'on parte, hein, surtout Gaspard. Enfin, moi, je pense que je partirais s'il n'y a plus Camar, mais heureusement, il y a Gaspard. Hein. alors, blablabla. Ah, c'est toi, Moretti. Ok, ça m'a. Attends. Je t'ai vu. C'est. Mais qu'est-ce que tu fais là? Attends, t'es un nouveau Giuseppe Moretti ou t'es l'ancien? Genre, t'es le Moretti de la Cosa ou ou t'es un nouveau perso? Elise sera présente lors du jugement? J'en sais rien. Je sais pas comment ça se passe. S'il y a moyen, j'y serai. Mais à mon avis, ce sera un jugement. Je vais lui demander, tiens, tout de suite. Même si Camar est fini ce soir, il n'y a pas de souci. Oui, non, mais. Je vais demander si c'est un truc ouvert. Par contre, si c'est un jugement public, c'est hors de question que je mette la cam, hein, par contre. Il faut qu'elle soit mise au courant en RP déjà. En fait, elle vient d'apprendre en RP qu'il était en garde à vue, qu'il allait se faire juger bientôt. Donc déjà, ça, je suis à peu près au courant. Omar m'a dit en même temps. Mettre du temps dans un personnage et le voir mourir, c'est chiant, tu m'étonnes. Elle n'est pas au courant. Bah, en vrai, elle n'était pas au courant jusqu'à ce soir où elle a appris qu'il était en garde à vue et qu'il était en attente de jugement.
C'est donc ce fameux Moretti Cosa. Bon, bah, tu m'en. Sans rancune, hein. Sans rancune, hein. Tu m'aimes toujours. coucou, Mar. Coucou. Bah, après, même si c'est fermé, normalement, les proches peuvent venir et pas les inconnus. Non, j'en sais rien, mais dans tous les cas, si c'est pas ouvert, on va faire totalement du stream hack et on va le suivre sur le live de Camara. Hein. Enfin, Elise sera pas là, donc je jouerai pas le fait qu'elle sache ce qui s'est passé, mais. Je sais pas si elle a le droit d'être au jugement. Ouais, c'est ça, vers le jugement ferme, il n'y a personne. Bah, une fois, le camarade s'était fait juger, on avait pu participer en comité réduit, mais bon, c'était un truc. Moi, il n'y avait personne, que des policiers. Mais il y avait des gens qui avaient demandé. Après, moi, c'était nous, c'était pas un vrai jugement qu'on avait fait le premier jugement de Camar, parce qu'on s'était retrouvés dans le bureau du shérif, on était tous debout autour d'une table. Donc, c'était pas ouf. Mais dans tous les cas, on le suivra en RP. On le suivra soit en RP, soit en OHRP, en regardant le live de Camar tous ensemble. Donc, on va suivre le jugement ce soir, je pense. D'accord, dommage. Ouais. Bah surtout qu'en plus ton perso il était super quoi. Hein. C'était pas Patrick justement qui avait jugé la causa. Je sais plus du tout. Je crois que c'était Patrick qui avait jugé la causa. Ou Chuck. Non, Chuck c'était le juge, non? Par contre, j'ai entendu bruit de pas depuis tout à l'heure. Je crois que c'était Patrick, mais. Ça. Pourquoi j'entends marcher? Ça a dû être instant, le jugement de la causa. Je suis sûre que j'entends. Ah bah oui, je me disais bien que j'entendais marcher. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là depuis longtemps? J'ai l'impression que j'entends marcher dans le. Ok. Ouais. Ah mais j'étais pas folle. J'entendais bien marcher depuis tout à l'heure. Qui a plaidé la causa me frappait pas pour le. Attends, non, j'ai pas le jeu de mots. Je suis fatiguée. Qui a plaidé la causa? Je suis désolée. Oups. Non, mais je me demande si je vais pas faire un perso là pour faire l'avocat de l'attaque là pour pas savoir quoi dire contre Camar et qui gagne le jugement. On s'était vu IRL juste avant, elle m'avait dit qu'elle dormait pas à cause de ça, il me semble. À cause de quoi? Merde. À cause du jeu de mots? J'ai pas compris. Je suis nulle. Vraiment, je suis insupportable. À cause du jugement, parce qu'elle le préparait, c'est ça? J'ai l'impression que la caméra, c'est un peu n'importe où. Cause de l'enquête de la causa, mais ça a l'air d'être un énorme truc, hein. Franchement.
Nous, on était dégoûtés que la Cosa elle est en train de se faire juger parce qu'on était en train d'essayer de les niquer in-game, mais... Bah, au moment où on avait monté tous nos plans et tout, bah, on a appris qu'ils étaient en jugement. Sniff. Je veux pas cause à des insomnies. Ok, c'est plus, c'est la cause à Nostra, quoi. Pour les insomnies. Ah merde. Pardon. Ah, ça a dû être intense, l'enquête de la cause. Hein. Ça a dû être vraiment intense. Oui, allô? Ça va ou quoi? Oui, ça va et toi? Bah ça va, hein. J'ai voulu prendre des nouvelles parce que je sais pas, Skippy, des trucs bizarres, même moi, je sais pas, on m'a appris la mort d'Aka, c'est un peu compliqué. Attends, quoi? Ouais, je... Non, on te l'a pas dit. Vraiment pas? Oh merde. Non, non, tu viens de me l'apprendre. Non, Ellie, je suis désolé. Mais je viens de l'apprendre. Je pensais que tu le savais. Ellie, je suis désolé. Non Je. mais Même moi. t'excuse pas, t'excuse pas. Putain, je fais de la merde. Je suis. Non non Je non non voulais non juste non 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 non, t'appeler. Je sais pas. c'est pas de ta faute, Parce c'est que. pas de ta faute. Même moi, là, je viens juste de l'apprendre. Du coup, je pensais que toi, t'étais au courant. Non non, j'étais pas au courant là, j'ai eu une semaine, j'ai eu vraiment des... Attends mais Aka, mais je l'ai vu il y a 2 jours. Et même moi, je sais pas, c'est. On m'a raconté des trucs là. Même moi, j'ai. Je suis perturbé là, je vais pas te mentir. C'est. C'est compliqué pour moi et je pensais que tu le saviez. Que tu le savais, pardon, excuse-moi, je peux pas. Putain, tu vois, je bégaye. T'inquiète pas. T'es où? Il est incroyable. Je suis au Rockford. Putain, je suis désolé. Putain, mais je fais que de la merde. Non mais dis pas ça, tu pouvais pas savoir. Putain, mais je pensais que tu Tu le pouvais pas savais, du savoir, tu coup, pouvais je pas sais savoir. pas. Je vais prendre des nouvelles. Je vais pas te mentir, on me l'a dit il y a 10 minutes, hein. Et on m'a dit qu'on allait aller essayer de le voir à la mort, je sais même pas Oh quand. putain. M'a raconté des trucs, mais je sais pas s'il vaut mieux que tu le dises. Vas-y, vas-y. Mais même au téléphone, je pense pas que c'est une des meilleures choses à faire. Je sais même pas quand on pourra se voir, donc... Je suis désolé. Écoute, je vais annuler mon rendez-vous, j'arrive au Hood, ça te va? Mais voilà. Vas-y. Je te tiens au courant si je peux venir. Mais au pire, prends ton rendez-vous. Au pire, fais ce que t'as à faire. On en reparle après si tu veux. Je vais pas tout niquer. Ouais, tu fais quoi toi là? Avec Blake, on devait aller voir pour faire des photos, mais je pense que t'as un peu changé du coup le planning. Parce qu'on Blake est nous a là? dit qu'on allait aller voir Aka. Bah, il était là, mais je crois qu'il est parti manger un kebab. Tout seul. Ok. Mais au pire, vas-y, fais ce que t'as à faire, on se capte. Quand il y aura Blake et tout, comme ça, on en parle. Et même moi, oh, putain, je pensais que t'étais au courant. Non, non, Même ça se non. trouve, j'aurais même pas dû te le dire. J'étais pas au courant, pourtant, ça, tu sais depuis quand? Mais je sais pas, on m'a dit c'était il y a. Je sais même plus. Hein, hier ou avant-hier, je sais plus. Et je l'affrique maintenant, on me l'a même pas dit. Ok. Mais sache que celui qui a fait ça, c'est le plus gros fils de pute du monde. Et il est mort. C'est qui? Tu sais qui c'est? Oui, je sais, mais il vaut mieux que je te le dise. Hors du téléphone. Ok, je vais Parce que faire je mon pense pas que mieux. ça te ferait plaisir que tu le saches au téléphone, tu vois. Vas-y, fais ce que t'as à faire et on se recapte. Ok, ça marche. Et je suis désolé. Ouais. Putain. Ma bisou.
Bonsoir. Et bonsoir, désolé pour le retard. Qui J'ai est peut-être mort, toussé. c'est Aka, cette personne qu'elle considère J'espère que comme vous allez bien. son grand frère. Non, non, mais on va parler. Vous inquiétez pas, je vais. Pas de soucis, vous voulez peut-être décaler le rendez-vous, je peux vous donner le numéro et se contacter quand vous êtes plus disponible. Si ça peut vous arranger. Ouais, je suis désolée. Y a pas de soucis, c'est moi. Je dois être un peu plus tôt. Non, non, mais vous n'avez pas à vous excuser, hein. Vous avez une vie aussi. Je vais prendre votre numéro et on se Il est contactera. Je suis désolée. incroyable. Bien sûr, pas de soucis. C'est le 95-23. Monsieur Evans. Oui, Alexandre, on t'entend. D'accord. Ok, j'ai. C'est noté. C'est noté? Parfait. Ouais. Bah écoutez, contactez-moi quand vous êtes disponible. Je viendrai Ouais, au plus merci. vite. Merci, je suis désolée pour ce soir là. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Bon courage à vous. Merci. Avec Merci. plaisir. N'hésitez pas. J'entendais une deuxième voix tout à l'heure. Il y avait une autre personne? Oui, j'ai une amie qui est passée qui avait besoin de me faire une facture. Ah, d'accord, pas de souci. Mais elle est partie. D'accord, pas de souci. Oh, vous êtes peut-être plus longtemps du coup. Oui, assez, mais juste. Mais en fait, pendant que j'étais en train de régler mes soucis de ma tête, je suis venu au plus vite en même temps. Ok, non, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Pour pas voir ça en plus. Tout cas, c'est un plaisir de vous rencontrer, même si Oui, on était moi venu dans d'autres aussi. circonstances. Ouais, moi aussi, je suis vraiment désolée. Là, c'est pas une rencontre qui est très agréable. Il n'y avait aucun souci. Il Je. n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Moi, c'est Elise. Ah, oh, c'est pas Ezekiel. vraiment ce que je voulais faire. Il n'y a pas de souci de carrier. Peut-être plus comme ça, peut-être. Non, bon, bah, c'est pas ça. C'est bon, on l'a fait. Ok, bon, bah. Bonne soirée, je suis Bonne soirée, désolée. pas de soucis. Vous êtes derrière aussi ou devant? Je suis derrière. Nature. Alors, c'est moi le grand frère Zuby. Alors, il y a deux grands frères. Il y a. Comment dire? Il y a le grand frère qui a 20 ans de plus que toi et le grand frère qui a 10 piges de plus que toi. Aka, c'est le grand frère qui a 20 ans de plus que toi. Bah, c'est les deux, elle les considère vraiment comme ses grands frères. Hein, vraiment, elle a cassé. Voilà, Le trop problème, beau. c'est qu'elle a genre plus d'émotions là. C'est trop dur pour elle. Je te laisse, je finis ma pizza, je dois me préparer. Bonne soirée, j'espère que tu Vous iras avez bien un pour toi, ce véhicule? perso. Merci! Ouais, je me suis pris un garage juste ici, j'ai ma moto. D'accord, oui. Vous avez bien fait. Je vais chercher ma moto de l'autre côté aussi. Merci. Bonne soirée et je vous tiens au courant. Bonne soirée, oui. Enfin, n'hésitez pas. Hein. Je suis très disponible. Merci, merci, au revoir. Bonsoir. Merci beaucoup Antoine Nouille et Matisse pour le follow. Merci beaucoup. Non, j'ai plus son. Je sais plus qui. Quatre-vingt-quatre, soixante-dix-sept. C'est ça, 84, 77? Non, ça c'était dit. Merde, putain, j'ai raccroché. Vas-y, je vais les tester. Ouais, t'es dit? J'étais vraiment pas de d'humeur, j'ai annulé le rendez-vous si jamais tu veux qu'on se voit. J'aurais pas pu le faire de toute façon là. Tu l'as annulé? Ouais, j'aurais pas pu le faire de toute façon. Écoute, là, je vais rejoindre Blake et je vais essayer de voir si on peut passer Rockford. Non mais je vais descendre au hood, je pense que j'ai pas. Ah, là, on est déjà dans la voiture. Ah ok. Bon bah Si tu faites veux, ce que on vous avez à vient. faire. Non mais faites ce que vous avez à faire, au pire c'est pas grave. Mais non, vas-y, on arrive, on arrive. Ok. Ça va bien. Moi, ça va bien. Élise, non. Élise vient d'apprendre la mort d'Aka. Hein.
J'avais pas envie de jouer cette scène ce soir. J'avais clairement pas. Hein. Oh, un autre mort, tiens, c'est pas comme si c'était la 11e personne en seulement 24 heures. Putain, 48 heures. On va ouvrir un cimetière, ça te va, Denise. Oui, allô? Oui, allô, Elise? Oui. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, on est là. Écoute, tu me connais pas, mais en fait, c'est le pote à Tyson et Mike. Ok, d'accord. Une nouvelle recrue au mécano. Et en fait, ouais. Je voudrais savoir si je pouvais être embauché au mécano. Alors là, on a déjà eu beaucoup de nouvelles recrues, justement. Ouais. Regarde sur l'intranet, sur Super Mécanique, il y a toutes les infos. Envoie-moi un CV et je garde CV sous la poche. Ok, parfait, carré. De rien. Vas-y, carré. Bonne soirée. Bonne soirée. Yes, gong, putain, Gaspard, il casse les couilles. Putain, j'avais vraiment pas envie de jouer les scènes de déprime. En plus, là, il y aura sûrement le jugement. Genre, en ce moment, tout ça à cause de moi. Pas à cause de toi, mais disons que tu y as bien participé, quoi. Et que ça t'a pas trop dérangé. Putain. J'ai vraiment pas envie de jouer ces scènes. Hein. J'ai vraiment pas envie de les jouer là ce soir. Hein. Vraiment pas. En plus, je suis censée aller faire la photo police, mais je vais clairement pas pouvoir faire la photo police là. J'aurais dit gagner sur le ponton, ça aurait rendu service à tout le monde. Mais non, mais dis pas ça. De toute façon, c'est trop tard pour avoir des regrets. Hein. C'est fait, c'est fait. C'est la faute de Camar, il aurait pas dû voler le diamant. Il aurait pas dû me l'offrir, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr qu'il aurait pas dû me l'offrir. En fait, le truc, c'est que je vois vraiment pas pourquoi ils le mettraient en prison à vie. Ils ont clairement rien. Ça me laisse un poids au ventre là, parce que ça va se finir sur un. Je savais que ça se finirait sur un bad ending, mais ça va se finir sur un putain de bad ending où juste Elise, elle va tout perdre. Ils ont tellement de choses sur Camar. Je peux t'assurer que non. Ils ont pas de preuves, ils ont des témoignages, mais là où toi t'as un témoignage, t'as un contre-témoignage de délices, tu vois, donc. Il se passe quoi là? Qu'est-ce qu'ils disent radio? Ouais, ça vaut quoi, Elise? Enfin, ouais. Du coup, ouais. Prends l'air. Ça va? Bah je... Putain, je voulais pas te l'annoncer comme ça, mais moi je pensais que t'étais au courant. Je te jure, je suis désolé. Non, non, Je m'en veux un mais... peu. T'as pas à Mais t'en bon, ouais, vouloir, de tu toute peux pas façon. savoir. Ouais, au bout d'un moment, fallait te le dire, parce que si on te l'aurait dit trop tard, je pense que t'aurais été déçu de nous. Mais je suis désolé. Je sais pas, je suis désolée pour vous aussi, ça doit être très dur. Il est mort. Il est mort par quelqu'un. Blake, parle. Blake, s'il te plaît, parle. Je te dis par qui il est mort. Vas-y. Vas-y. Il a été tué par
Pierce. Alexandre. Ouais. Attends. Il... Attends. Quoi? Merci. T'es con aussi. On fait avec, hein. Même pas mes mots. Il s'est passé quoi, quand, pourquoi, enfin, ça a aucun sens. C'est à quel putain, ça a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ah, je suis comme Elise. Ah ouais, mais. Qu'est-ce qui s'est passé? Saute. Il s'est passé qu'on avait des trucs à régler et ça s'est mal passé. Hein. Il s'est passé des choses que j'aurais jamais les cru que ça allait se passer, tu vois, mais bon. Ouais, il a fait de la merde. Pas à Caen, Alexandre. C'est parti trop loin. C'est parti vraiment loin. Blake. Trop loin. Et ça s'est mal fini. Blake. Ça s'est passé quand? Passé. Tu te souviens quand j'étais avec Akar et qu'il t'a parlé? C'était 2-3 heures plus tard. Après ça. Je voulais pas te le dire tout de suite parce que avec tout ce qui s'est passé, c'est ma putain de faute. C'est ma putain de faute. C'est ma putain de faute. En quoi c'est de ta faute? C'est pas ta faute, Elise. T'as rien fait. J'avais pas été là. Pourquoi tu te culpabilises? C'est pas ta faute. Si j'avais pas. Si j'étais là, Blake. Bien sûr que si j'étais là. Bien sûr que si j'étais là et c'était de ma putain de faute. Ouais, non. Si j'avais. C'est pas ta faute. C'est vraiment non, pas ta faute. Hein. Eux, ils ont voulu apporter leur grosse couille, c'est. Je te l'ai dit, c'est Alexandre, il a fait de la merde. Oh là, attends. Ouais, c'est qui? Mais te mets pas tout ça sur le dos, c'est pas ta faute. Très clairement, si je. Oh, putain, merde! Pourquoi tu veux que ce soit ta faute, Elise? S'il y avait eu l'échange d'otages comme prévu, ce serait peut-être même pas venu aux armes. J'ai tout merdé. Et t'as rien merdé, Elise. Tu pouvais rien faire. Putain. Je pouvais rien faire, mais j'ai fait des choses que j'aurais pas dû, clairement. Putain, merde! Désolé. Je suis désolée aussi. Ça doit être
Ça doit être tellement horrible pour vous là. On essaie de faire avec. Comment vous faites? Sais pas. Pour rester fort. J'y arrive plus là. Yes. Bon, on fait quoi? On l'a sauvé sauter d'un pont?
Merde. Bon, tant pis. Je sais plus comment on y va. J'ai niqué ma scène. Yes. Je voulais faire un truc badass. Je sais plus du tout comment on y va. Casse les couilles. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, c'est Tyson. Oui. Je voulais voir avec vous. J'ai reçu un petit virement, je crois. C'est bien vous qui m'avez fait un virement? Oui, c'est moi. Et comment ça se fait qu'il y a eu si peu? Parce qu'il y a eu que dimanche. Ah putain. Ok. J'avais vraiment besoin d'argent. Ok. Bon bah tant pis. Merci quand même. Parce que le collègue, il a eu. Il a eu que dimanche, mais il a eu 300 000. Non, non, il y a pas. Ah oui, mais il a eu la prime de. Il a eu la prime de meilleur employé. Sérieux? Ouais. Ah bah nickel. Merci, boss. Désolé, on en reparle. Bonne soirée. Ouais, pas de soucis, bonne soirée. Je suis arrivée il y a 30 minutes et ça me fait mal au cœur. Bon, vous inquiétez pas, hein, c'est pas vraiment la fin. On va juste jouer un petit peu de Ashley pour faire la photo de groupe. Voilà. Donc du coup là, je vais connecter mon deuxième compte Steam et on va jouer un petit peu Ashley juste pour faire la photo de groupe pour être un peu la présence féminine. Hein. Vous inquiétez pas.
qu'elle aille sur ma tombe. Bah ouais, non, mais là, elle a pas le... tu t'imagines pas comment elle a pas le courage d'aller sur une tombe, là. Là, c'est impossible qu'elle ait le courage d'aller sur une tombe. Hein. Clairement. Hein. Il y a des bouteilles que j'ai vend... j'ai vendues. Si vous voulez, Maintenant, c'est le moment joyeux où il faut croiser les doigts. Non, pas police, pas police, non. Allez, on croise les doigts. Oh là. Je peux remettre ma cam, je pense. C'est vraiment un génocide ces derniers temps. Oui, totalement. C'est totalement un putain de génocide. C'est totalement un putain de génocide. C'est chaud à jouer, hein, parce que moi je sais qu'IRL je supporterai pas tout ça. Hein. C'est vraiment galère à jouer par contre. Hein. C'est pas grave, on met un message page jaune. Ouais, je regarderai la vidéo après, d'Amordaka. Je regarderai plus tard, là, il faut vraiment que je sois au poste rapidement. Ouais, mais il faut vraiment que je regarderai, t'inquiète pas. Putain, par contre, il n'y a personne de dispo et moi, j'ai les numéros de personne, je crois. Putain, j'ai rien. J'aimerais bien venir, mais de 1 HRP et de 2, j'ai pas de voiture. Ah, effectivement, ça va être dur. Bah écoute, on va faire un RP course à pied. Ah. Oui, allô? Oui, Davidson. Oui, c'est moi. C'est votre sergent à l'appareil. Oui, par contre, bonjour. N'hésitez pas à venir en radio et demander à ce qu'on vienne vous chercher hein, dans ces cas-là. Ah oh oui, non, mais je voulais pas. Je suis pas du tout en service là et je voulais vraiment pas vous embêter. Je suis un peu ah, c'est loin pas pour donc. Venir au PDP? Si, si, c'est pour venir au PDP, si, si, totalement. Ah bah, je vais vous chercher, bougez pas. Envoyez-moi votre position s'il vous plaît. D'accord, merci, c'est très gentil. Merci, à sergent. Tout de suite. À tout de suite. Est-ce que j'ai totalement oublié son numéro alors que je le dis à voix haute? 45 89.
Fais juste entrer sur le num qui t'a appelé, tu fais envoyer un message. On peut faire ça? Je croyais qu'on pouvait pas. Mais non, on peut pas. On peut vraiment pas, hein. J'ai tellement envie de répondre. Bah pourquoi t'as pas répondu, wesh? Pas gentil. Pourquoi tu vas pas rendre service à Ashley? C'est pas grave, c'est mon sergent qui vient me... qui vient me chercher. C'est très bien. C'est très parfait. Ouais, c'est pour ajouter au contact que tu peux. C'est un peu méta. Bah, oui et non, dans le sens où si ton personnage, il voit une annonce page jaune et qu'il serait prêt à faire le détour pour une inconnue, si ton personnage joue comme ça, c'est pas méta. Si par contre ton personnage l'aurait pas fait, si tu avais pas vu que j'étais en stream, là c'est du méta. Enfin, c'est du stream hack. Mais en soi, si ton personnage aurait aidé une nana qui demande de l'aide sur les pages jaunes, c'est pas du stream hack. Tu vois? Enfin, moi je le vois comme ça, hein. Après... Il l'aurait fait pour la thune. Je sais même pas si Ashley a beaucoup de thune. Si elle a gagné de la thune avec... si elle a un peu d'argent, ça va. Qu'on écrit sergent, c'est avec un T, hein. Au pire, c'est pas grave, j'aurais fait une faute d'orthographe. C'est bizarre de pas avoir 31 millions. En vrai, non, ça se fait. C'est pas... Pff, franchement, la thune... Oui, j'en ai beaucoup avec Elise, mais je m'en bats un peu les couilles, elle l'utilise pas, donc... Oh bah tiens, regardez qui voilà. Un chat. Il avait pas du tout envie. T'avais pas du tout envie, là. IQ, va. Donc très franchement, non, ça fait pas bizarre. Je peux juste plus dilapider mon argent, tu vois, mais c'est tout. Mes respects, sergent, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, et vous? Ça va. Qu'est-ce que vous faites au milieu de nulle part comme ça? On avait fait... Ah oui, c'est ça, une soirée, oui. D'accord. Et je me suis un peu endormie là-bas. Oula, ok. Et quand je crois qu'on m'a pris ma voiture, donc... Ouais, il vaut mieux, quand vous êtes dans ces cas-là, faire un appel radio et demander à un collègue de venir vous chercher. Oui, bah c'est vrai que... Bah faut pas hésiter, parce que surtout... Surtout en ce moment, ça peut être dangereux pour un agent de rester seul. Ah d'accord, ok. Bon après, normalement, personne sait que je suis agent. J'ai été masqué tout le long du DEFCON 2, donc ça devrait pas poser trop de problèmes. C'est vrai. Vous allez bien? Ça va très bien. Et vous? Oh bah oui, ça va, merci beaucoup. Vous commencez à vous acclimater? Oui, tout à fait, ouais, j'ai... Moi j'ai fait une petite... j'ai pris mon petit dimanche hier et puis voilà. Oui, d'accord. Écoutez, on va voir si vous êtes au point sur les procédures alors. Ok. Faites l'école radio par contre pour dire qu'on rentre. Oh attendez, non, je suis pas du tout prête là, j'étais pas... Oh, ah. Je suis Adam pas 34, 10-19. Attendez, il faut que je mette déjà sur la radio, ce serait déjà un début. La radio, la feuille d'effectif. Ah oui. Bon, je vous avoue que j'avais pas... Je pouvais pas rester trop tard ce soir, hein. Oui, c'est pas un problème. Vous faites comme vous voulez. Hop. Donc, Je sais pas, je suis pas en service, je fais juste qu'on fait un 10-19. C'est bon, je l'ai dit déjà. Ah, ok, je pensais que c'était ce que je devais dire. Ok.
Oui, mais quand vous étiez occupé, je l'ai fait pour vous. Merci beaucoup. Je suis pas prête. Je suis prête. J'ai mes codes sous les yeux. Adam 101, début de 1080 Pacifique, c'est une sultane noire. Direction sud. 34-23 PDP. Merci beaucoup. Et je vous en prie. Ils ont actuellement un otage en passage. Vous pouvez dire à 70 que l'argent est signalé non marqué à 70, ouais, merci. Bonjour, mes respects. Oh, c'est 70, l'argent que vous avez récupéré est signalé non marqué. Bonjour, vous êtes Moi, c'est Ashley Davidson. 4, vous avez le 27. Ou pas 27. Ouais, d'accord, ouais, je me souviens de vous. Mais non. Du coup, 34, je vous envoie un message. Oh putain, mais lui, quoi, sur les pages jaunes, je le baise ou quoi? Mais non, mais c'est pas possible. Attends, je vais l'appeler, je vais le traiter. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il y a un fou. 34. Je serai plus là dans pas longtemps. Merde, le stream. Pardon, j'avais oublié le stream. Putain, merde. Oh là là, attends, il se passait trop de trucs. Bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va? Bah, ça va très bien, merci. Et vous? Ça va, ça va. Je vais vous laisser vous changer, j'irai juste après. Allez-y. Non, non, c'est okay. Bon, il y a... Okay. Y a pas de problème. Je vais juste me préparer parce que je sais pas qui c'est. Je me balade à pied. Ah, yes. Ah, merde, ça va être l'heure de U. Parfait, ça va être l'heure de U, ça. J'ai rien insinué, comme par hasard, un palace me péta pour servir d'otage sur le super-être. Oh bah tiens. C'est toi, d'accord. Ok, c'est toi dont il parle de... d'otage. Hop là, merci bien. Où ça sert ça? Bonjour, mes respects. Il est dans sa tête, hein, t'inquiète pas. D'accord, c'est pour ça. Tu vas bien? Ah, tranquille, tranquille. Parfait. Est-ce qu'on me reçoit à la radio? 18. C'est vraiment dangereux d'être à pied dans cette ville, moi je vous le dis. 70 pour 34? À l'écoute. Vous avez la quantité d'argent? Le montant. Ah, c'est vrai qu'il fallait eu. Oh putain, cette chute! Chute. Merci. Oh merde, c'est la plus belle chute du monde. Parfait, c'était le plus beau U que je pouvais faire de ma vie. Ça a changé de nom? Après, ils ont changé le nom, les étages.
GG Amar pour ta montée de niveau. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre? Ouais, je sais, j'ai le champ. Je sens que ça allait dire genre un truc pour plus une bonne zoulette ou un truc bon style. Lui il capte un mois après quand même. Hein. Non, l'accent ça fait un moment que je l'ai perdu. Par Stessos, par Stessos. Ah, bah c'est lui qui m'a. Ah, le pastaga, le pastaga. Bah, y'a pas ça aux États-Unis, c'est dommage quand même. Les Grix de ça? Non, ou peut-être. Mais t'es. Mais qui vous dit qu'il va en France? Bah ouais, c'est en Europe. Ouais, Bruxelles, c'est en Belgique du coup? Bah si, moi je sais, forcément, mais là. C'est même la. Je me pars en BDA 2 secondes, du coup je vous coupe tout.
Oh, ouf, c'est intéressant ça. Une photo, frère, on fait une photo IG. Il a un beau petit cul, 10 quand même. Vous voulez qu'on prenne quoi comme, comme pose Jean-Michel. Et arrête de faire de la merde, toi. Ah, je sais pas trop, on a pas le. Je parle à qui comme ça? Je parle à 07. Gang Unit, tu vas te mettre. On va mettre détective. On va mettre deux. Décalez-vous tous, décalez-vous tous. Enlevez-vous tous de là. On va mettre un gang unit à gauche de la table et un autre à droite. Donc 44, tu te mets à droite de la table et on va mettre un détective au milieu. Comme ça, tu veux mon gros chat? Voilà. Et les autres, vous vous mettez autour. Vous mettez derrière nous et autour. Bah, mettez-vous autour, moi... ouais. Faites un petit arc de cercle comme ça. Alors, juste à ma droite, je veux les meilleurs agents. En 07, dégage. Mais mettez-vous bien, s'il vous plaît. À la limite, meilleurs agents à ma droite. À la limite, il y en a deux qui se mettent comme ça, genre ici, genre. Ils se mettent un peu, genre, comme ça. 07 et 70, j'ai dit les meilleurs agents. Ok, j'ai compris, j'arrive. Adam Pain pour LSPD 1080 en cours sur la noire. Ouais. Depuis le moment, on est actuellement à la Marina, direction Aéroport Santos. Franchement, je pensais pas, tu vois. Pour le coup, il me choque de jour en jour. On pourra pas venir en renfort. L'autre, il passe son permis, donc voilà, là c'est qui beau. Ça, là, qui, c'est ça, beau. Qui ça Bah, Jean-Michel Haddou, là. C'est qui ça? C'est qui? Attends, il faut que je remette les espoirs. Il est venu en bateau, c'est ça? C'était un peu déplacé. Dites-le, hein, allez-y, hein, soyez con. Oh putain, je vais te comprendre. Ah oui? Tu commences à prendre une putain de merde. T'es vraiment une merde. Parle à moi, là. Ouais. C'est de la pièce, ce command staff. Je pars, c'est le feu, quoi. C'est le feu, une conne. Hey. Putain, il passe son permis comme par hasard. Je lui dis 21h, il passe son permis à 20h50, cet enculé. Non, mais dis-lui d'aller son enculé, j'ai pas le temps. Désolé si c'est vulgaire pour certains. Moi, je suis pas vulgaire, je suis agréable comme personne. T'es agressif comme personne. Ouais, bon, un petit peu, limite, légèrement. Mais non, mais toujours, t'es toujours dans l'excès, toujours dans l'abus. Toujours, t'es... Il me dit, les saisies, quelle bande de BG. Oui. Je me rappelle. Rappelle quoi? Wesh. Il y a un bureau à moi, ici, un bureau à moi. T'as vas-y, passe le permis, il est 57, hein, héros. Moi, je vais partir en Afghanistan là bientôt. Hein. Ah non, c'est vrai, bah... non, c'est Bruxelles, j'ai oublié. Tu peux aller nulle part. J'espère que tu vas presque l'Afghanistan. Hein. Post-traumatique. Il va y arriver là-bas, réformer P4. Hop, demi-tour. T'as dit quoi? Tu vas te réformer P4. Syndrome post-traumatique. Bah, je vais arriver là-bas. Déjà, c'est pas Bruxelles déjà. Comme j'ai dit tout à l'heure, en Afghanistan. Tu vas être réformé P4. P4? Ah ouais, d'accord. C'est ce que c'est, moi. Ouais. D'accord, oh, regarde, coucher votre cul là, je vais partir à Bruxelles. Vas-y, tiens, je te laisse ma place de gang unit, va à côté de moi. Ouais. Voilà. Ouais, bouge ton fiac. Et moi, je vais aller où, moi? 34? Allez devant, bah, commandeur. Allez mettre une tenue DB, commandeur. Ouais, je vais faire ça. Allez, t'es calme. C'est nous qui avons décidé tout ça, regarde, partez. Ouais, c'est nous, ouais. Oh, c'est quoi, 51? Trop fort. Plusieurs milliers d'âmes et 100 kilos de drogue. Ah ouais. Fantôme. Comment ça tu vas à Bruxelles, toi? Voilà. Hein? Je vais à Bruxelles pour aller voir le quartier rouge. Pays de communiste. C'est qu'à gueuler, pays de communiste. 34. Ils sont trop BG, mes copains les flics. Hein. 34, la foyère, elle lui manque trop, je crois. Ce sera pas la saisie des balasses, ça. Ils ont rien saisi, c'est les balasses. Ils ont vraiment rien saisi. 07, fais une belle pause, s'il te plaît. Je veux pas que je te. Hein? Non, mais. Alors, c'est pas une pause. Comment on fait la pause de 34 là? Et comment comme on fait ça? Bah, tu te mets à genoux et. Voilà. Tu te mets à genoux et par contre. Tu croises les bras et tu t'accroupis. Non, mais faut faire un truc quand t'es à genoux. Répète après moi, tu dis orgue mais plusieurs fois d'affilée. Quoi? Dis orgue plusieurs fois d'affilée. Et rapidement. Dis orgue, comme organisation, mais plusieurs fois d'affilée. Ouais, non. Ah, j'ai compris.
Là, je peux pas mettre ma tenue DBDB. Non, c'est toi, j'ai pas le temps. Fais la photo. Vas-y, mais c'est pas moi qui peux la faire. C'est l'autre là, enculé qui prend. Ah, donc j'ai le temps d'aller chercher ma tenue DB que j'aime bien. Oui, mais non, garde celle-là, je crois que c'est celle-là moi. Ah, moi il veut pas rester assis, il se lève tout le temps. Bon, c'est qui fait des photos là? Il est con. C'est quelqu'un qui était censé venir à 21h mais qui s'en bat les couilles, il est 21h. Viens, on échange. Non, mais toi, toi t'as des yeux, frère. GG Alex pour le niveau 36 et Abo pour le niveau 27. Franchement, si j'aurais. Ouais, si j'aurais. Si ils croient. Regarde ce que je t'ai envoyé, toi, le fils de. Je vais t'enculer. Ouais, subhanallah, plus. Attends. Ok. Ah oui. Eh oui, Jean-Mi. Eh oui, Kodo. Eh oui, Jean-Mi, ça explique tout. Ils croivent trop. Ils croivent trop. Moi, j'en connais un en Belgique. Il dit ça souvent, mais il s'en rend pas compte. Franchement, au jour d'aujourd'hui. Ça, je le disais souvent, au jour d'aujourd'hui. Moi, personnellement, je pense que. Ouais. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Dis donc que ce stage d'une semaine de linguistique, il t'a été bien. Faudrait faire montrer la drogue aux gens. Faudrait faire montrer. Personnellement, moi, je n'ai marre de monter en haut avec l'ascenseur là. Je vais au coiffeur. En tout cas, je descends en bas quoi. Si bon, la photo, moi je vais devoir mais partir. Mais je t'attends, mais passe ton permis, frère. Mais c'est bon, il y en a un autre qui l'a fait. C'est bon, on est déjà, vous avez raison. C'est bon, il y en a quelqu'un d'autre qui l'a fait. Il y a personne ici qui peut la faire, il y a que moi qui ai déposé. Je suis trop beau, je suis magnifique. Bah, fais la photo, puis tu t'incorpores dessus. Je montre nos belles saisies de la main. Par contre, les mecs qui sont tout le temps tout à droite, c'est que des cons pour faire les poses ou pas? Voilà qui, toi? C'est qui, F2 général inventaire. Pourquoi tu dis ça? Moi pas les couilles, vous vous démerdez. Et là je pense que ce sera plus compliqué. Hein. Ah c'est quoi? Ah oui pardon. Voilà, en cas tu avais poussé la fonte là, il en peut plus. Ouais voilà, je suis chaud patate. Alors il faut. Oh 44, je vais pouvoir venir avec toi bientôt mec. Où ça? À la salle. En Afghanistan? Ouais. Non mais où? Dis-moi. À la salle s'il te plaît. Toi tu fais la salle toi? Ouais. Oh gros. Putain mais faut chier avec le chat là, bouge ta mère. Je vais t'envoyer mon Strava. Du coup c'est la saisie avec Camar. Alors déjà on dit la saisie de Camar. Ouais, c'est quoi ça dans ton langage? Non bah non, ça Camar il s'est rien fait saisir du coup. Il a sorti le téléphone. Alors il fait des photos. Mais belle saisie là, franchement. Regarde bien l'objectif là, t'es mal. Si je pense que la weed, il y a de la weed à Camar là. 51, mets-toi bien. La weed de Camar. C'est un Nokia, c'est ça? Comme ta mère. C'est la saisie du Defcon 2. En fait, c'est un total un peu de toute la saisie. Bon, allez, tais-toi. Bah ouais, je l'ai tellement fracassé qu'elle casse toujours pas, je comprends pas. Ça c'est bien. Ça c'est bien, mon loulou. J'aime bien. Putain, mais vivement que t'ailles à la salle, toi, tu casses les couilles. Ah là, je suis bien avec toi. Vas-y, viens avec moi. Il prend tous les angles aussi. Tu pèses combien de kilos? Bah, je prends pas des photos de PD. Moi. Tu pèses combien de kilos? J'en ai perdu aujourd'hui, tu vas être étonné. 70. Ouais, t'as chié en fait, c'est ça? Merde, je me suis trompé. Gros, non, j'ai couru, frère. Bien sûr que t'as couru, c'est pas plutôt ton ombre qui t'a couru après? Non, gros, j'ai chié parce que ça faisait 4 jours que j'ai pas chié, tu vois. Ouais. Et je suis parti courir. Du coup, on fait une photo de groupe pour la fin du Defcon 2. Ce matin, je faisais 80 kg 6, tu vois, et là j'en fais 79,8. Merci à toi pour cette image, je vais les speedy magnifique, ouais, protecteur de la loi, etc. Dès que je chie, c'est limite 500 grammes. Ça commence à faire nuit, ça pue la merde. 500 grammes, mais c'est pas mal ça. Ah gros, je te promets. Hein. Tu sais, il y a moyen genre de faire genre des pavés de merde, tu vois ce que je veux dire ou pas? Le GND, c'est trop bien. Les flics devant, faudrait que vous fassiez un truc plus intéressant parce que là, on dirait que vous faites caca. Essayez de faire genre mécanique. Non, mais prends pas ta. T'as fait des photos ou pas déjà?
Ouais, fais mécanique là-dedans, là, ce sera plus simple. Merci, Loulou. On a arrêté qui, là? J'ai pas compris, du coup. Tu te lèves et tu fais mécanique. Oh, non, on a juste fait la photo. Et toi, tu vas te mettre là, derrière. Non, toi, lui, va faire mécanique dedans. C'est pour la communication. Allez, faites pas des teubis, par pitié. Fais la photo, fais la photo. Fais quoi, je fais quoi, moi? Quitte. Quitte le Big Show. Le Big Show. Double biceps. Double biceps. Gaz, le Big Show, gaz. Oh damn. Fais au pire, fais de l'inbar sur. Ah non, ça c'est trop bas, j'ai rien dit. Oula, c'est qui se bat là? Moi. Bon. Alors ici aujourd'hui, 34 va plutôt dispatch. C'est simple. Les gueules. Y'a pas de dispatch. C'est moi qui ai saisi tout ça. D'ailleurs, t'as un branlé. C'est pas ma faute. Non, c'est quand même ta faute. Un peu quand même. 44 clairement de skate, par pitié. Ah voilà, ça va marcher. Mais j'essaie de trouver un truc. Ouais, mais non, t'es pas stylé, juste mets-toi bien. Ah là, je vais mieux faire. Voilà, parce que j'avais trop mal à la tête. Fais. En gros, on dirait un shooting de photos de Noël. C'est Noël, regardez tous les cadeaux, quoi. Regardez tous les cadeaux, c'est Noël. Ouais, mais on a pas le droit de les consommer, donc c'est pas Noël. Bah ouais, c'est vrai ça, putain. Je peux prendre un pain vite fait, Commander? T'inquiète, ça c'est l'après-soirée, on a pas dit ça. À partir de minuit, toutes les saisies, tu crois qu'elles vont où? Hop. Elles vont dans le bureau du commandant. C'est un pain de C4 par personne. Commandant. Allez, après, c'est tout. Hein. C'est bon, merci. Merci, le bon, sang, allez. Allez. Voilà. Pouf. Allez, merci. Doit y en avoir Bonne chance pour le permis. Hein. Allez, 44-17, vous pouvez. Tu peux mettre un petit coup parce que sur la route, je me suis fait enculer. Hein. Fils de pute. C'est quand que tu lui permis, gros, parce que c'est pas que c'est dans même. Mais arrête tes conneries, arrête tes couilles. Oh, arrête. J'ai distanciel, on étudie à deux. Ils m'ont tous tapé, je veux rien savoir. À tout, bisous. Oui, je suis chaud, allez go. Oh merde, ça va? Merci. Bon, c'est pas grave, c'est 0,7. Ah, c'est pas grave, c'est 0,7. D'accord. Faut pas s'inquiéter pour lui, il en a vu d'autres. Oui, mais dis ouais, attends, viens avec moi deux secondes. Passe-moi un petit bout de ça là. Vous partez patrouille après 27 ou ouais, qu'est-ce qu'il y a? Non, je pense que là je vais y aller. Juste pour la... Ouais, d'accord. Ouais. Ouais, juste pour la photo. Merci d'être venu en tout cas. Bah, c'est normal, c'était sympa quand même de prendre la photo. Bon, il est guignol là-bas. Bonne soirée tout le monde. Et bonne soirée. Bonne soirée. Pour le coup, je me suis fait mettre KO par un. À très bientôt. Hein. À très bientôt. Ou pas. Bon, je retourne en BDA, les copains. Hop. Je suis de retour. J'ai fait la photo, c'est bon. Comment ça, je suis pas mute? Bah si, je suis totalement mute. Attends, ça me fait peur là. Comment ça, je suis pas mute? Bah si, je suis mute. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Ah,
Je suis de nouveau là. Ouais. Je on va essayer de retourner en game, mais je vous avoue que je sais pas trop ce que je vais faire là. Je pense que je vais bientôt finir le live. Hein. On va voir. Fingers up, I don't care about opinions. Yeah, I ain't more concerned with stacking these figures. Yeah, no, I'm not concerned with none of these bitches. Yeah, she called my phone and I ain't trying to hear it. I'm on the way right now. Beaucoup. À droite là, la tête. Vous voulez une bouteille de champagne, c'est ça? Putain, non, mais ma moto a des pop, vas-y, c'est bon, c'est trop là. C'est qui se les couilles? Je suis où? Oh, ça me saoule. Ma moto aurait clairement pas dû des pop quoi. Putain, je suis super loin de tout, vas-y, surprise. Ça monte là ou pas? Ouais, ça monte. Non, 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 vas-y. Quand tu découvres un certain temps, ça dépop, je viens d'expérimenter en tant que MF. Ouais, bah ça casse les couilles. Surtout qu'il y a clairement pas de taxi. Oh putain, j'étais juste derrière. Attends, non, c'est pas le même endroit. Non. Putain, j'étais vraiment juste derrière, quoi. Vraiment pas doué. C'est sympa hein, le RP course à pied. Tout ce dont on a besoin.
Ouais, pas de problème. Putain, je... J'avoue que j'y crois pas trop. Bon, il n'y aura pas de taxi, tant pis. T'as la haine contre quoi? Contre moi? T'es modo, hein, c'est bon. Bonjour monsieur, est-ce que vous voulez me prêter votre vélo s'il vous plaît? Putain, je sais pas. Ouais, allez, c'est pas grave, tant pis.
Coucou Gigi. Elise est toujours dans le mal? Non, c'est pas Elise qui est dans le mal là. Enfin, si Elise est dans le mal, mais. Je fais une. Vite fait une scène et je coupe le live. Je vais finir ma scène toute seule, je coupe le live, bisous.